Bon, je suis bien. Merci. Je vous ai déjà présenté. Oh!
Une entame très très difficile. Après, c'est vrai qu'on a senti dès l'échauffement, c'était pas trop notre jour. On a bien fini la première mi-temps. Après, bon, on perdait 1-0 et après, ben, le but c'était d'au moins marquer ce petit but qui allait nous faire du bien. Ça l'a été, puisque après, ben, justement, on marque le deuxième but, on peut même marquer le troisième, mais bon, après, c'est le 2-1 nous convient très très bien. Première mi-temps, surtout première 20 minutes catastrophique, surtout derrière, nos actions n'étaient pas du tout dans le match et ça nous a porté préjudice, on prend un but d'entrée et voilà, on se met une épine dans le pied et puis après c'est dur de revenir, mais bon, on l'a fait et c'est très très bien, je félicite les joueurs. Tout simplement, je pense qu'il y a eu deux mi-temps complètement différentes, une mi-temps, la première à notre avantage, où je pense qu'on doit tuer le match et on doit rentrer à la mi-temps avec 2-3-0, mais 2 ça me paraît être minimum. Compte tenu des occasions qu'on a, on ne les met pas. Luzenac, je pense, a fait un début de match un peu timide, un peu emprunté et tout ça. Ils sont revenus en deuxième mi-temps avec d'autres intentions. Et là, ils nous ont. Voilà, il y a vraiment de la qualité dans cette équipe, un super numéro 11. Ils nous ont fait tourner, ils ont écarté le jeu, ils nous ont écarté, ils marquent deux jolis buts. Le premier, à mon sens, est évitable, c'est un corner joué à deux rapidement. On n'est pas en place. On sort trop tardivement. Le second, il n'y a rien à dire. C'est un but magnifique du numéro 11. Voilà, une remise de la tête. Il apprend comme il vient de voler. C'est Ben Triou qui fait une touche longue.
Je vois Chinchilla qui va l'avoir de la tête, je suis juste derrière, donc je lui demande, il m'a entendu, et après à l'instinct, je frappe et ça part dans le but. Quand on marque, on est toujours heureux, et après, bon, il y avait la belle-mère sur le côté, donc j'en ai profité pour aller lui faire voilà, le petit coucou. Lujenac a eu la maîtrise du ballon dans l'ensemble, et ça reste une très belle équipe qui l'emporte aujourd'hui. On avait gagné à l'aller, il gagne au retour, et voilà. En tant qu'Ariégeois, je leur souhaite quand même bonne chance pour la suite. Contre une superbe équipe de Carcassonne, on a eu du mal à les 20 premières minutes et après on a pu dérouler. Et puis voilà, après je pense que nous on a une équipe qui court beaucoup et eux étaient plus athlétiques au niveau gabarit. Et puis après je pense que la course a fait la différence. Je pense qu'on a vu un match engagé avec, oui, des fautes, des coups, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de tacle assassin. Enfin, je me rappelle de l'époque de Lujenac, il y a 20 ans en arrière, j'ai vu d'autres matchs que celui-là, quoi, beaucoup plus engagés que celui-là. Voilà, après, oui, il y a eu de l'engagement, mais je pense que ça, dans l'ensemble, ça a été un match correct, voilà, de la part des deux équipes. Moi, de ce que j'ai vu cette saison, vous jouez bien au ballon, c'est une équipe alléchante, mais j'ai l'impression que vous avez du mal dans les matchs justement accrocheurs comme ça, avec des équipes qui défendent bien. Ben, c'est un peu le problème de l'ADH, quoi, c'est que il faut savoir s'adapter. À jouer sur des bons terrains contre des équipes qui jouent et d'autres matchs où c'est des équipes qui jouent moins sur des mauvais terrains. Donc il faut savoir s'adapter pour monter, il faut savoir gagner ces matchs-là. Et voilà, et puis on apprend. Et nous, on n'a pas une équipe à pouvoir rivaliser sur le plan athlétique. Et quand on joue en plus une équipe athlétique sur un terrain un peu compliqué, eh bien, ça devient difficile pour nous. C'est vrai que dès que ça met un peu d'impact physique, on a tendance à se cacher un peu. Après, on l'a vu à Colombie la semaine dernière, où voilà, dès qu'il y a toutes les conditions qui sont faites pour pouvoir jouer, bah, on est là, on est toujours présent. Après, voilà, on essaye de mettre en place. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais voilà, après, par rapport au classement, voilà, on suit notre petit chemin pour la saison et après on verra où ça nous mène d'ici 5 matchs. La touche, 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 touche la Santa la.